Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Alors ce soir, je reçois Charles-Élise, Wedding Palace, Jocelyne, coiffeuse à Wedding Palace, Laurine de Studio Strass et Annico de Bella Donna. Alors tout de suite, ça c'est très important, le FEMI recherche son ambassadrice. Vous connaissez le FEMI, le festival qui se passe du cinéma en Guadeloupe et qui est là, qui va être là pour accueillir les invités prestigieux, porter les robes de grands créateurs. Donc le rendez-vous c'est demain, samedi 26 novembre, de 10h à 15h à la médiathèque du Lamentin pour le casting, pour le pré-casting, et après il y aura un casting final. Alors les filles, vous aimez le cinéma, Charles-Élise? Oui. Oui. Toi aussi, Jocelyne? Et toi, Laurine? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. J'ai eu de la chance d'avoir un papa aussi cinéphile. Ah bien. Donc, Mais dis donc, mais présente-toi ambassadrice de famille. ça tombe mal, ça tombe sur ma semaine d'anniversaire. Donc voilà, mais bon, moi j'aime beaucoup le cinéma, j'emmène les enfants régulièrement. Et ben là, bon ben, forcément, enfants oblige, nous sommes allés voir Les Animaux Fantastiques dans la même lignée que les Harry Potter. Mais sinon, bon, j'aime bien les films un peu suspense, frissons, voilà. Et là, on a de la chance, vous allez voir qu'il y a deux complexes de cinéma. Il y en a un à côté de chez toi, Charles-Élise, oui, qui va se construire, et il y en a un à Destreland, Mort Bernard. D'accord. J'ai vu ça dans le France Antille. Ah bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, hein, ouais, deux complexes, c'est bien ça. Tout à fait. Et toi, Nico? Moi, j'adore le cinéma. Ouais. D'ailleurs, j'étais à Miami. Cette année, j'étais au cinéma à Miami. Ça fait très chic. Ouais, excusez-moi. Quand je vais au cinéma, c'est à Miami. Désolée. Excuse-nous, c'est un peu tapis. On moule son Robert Mazzo. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que t'as vu en dernier? Bad Moms. C'est Meraldine. Ouais. Ouais, c'était top. C'était pas mal. Ouais, ça donne des comédies, j'adore les comédies, j'ai bien rigolé. Elle va bien. Oui. Alors tout de suite, 100 ans de robe de mariée, c'est maintenant. Chouette, hein, alors Charles-Élise, quelle est ta période préférée? Noël. Non, dans les robes de mariée. Dans les robes de mariée, ah non, on peut savoir. Ah, ça, c'est beau. Alors, dans les robes de mariée, je dirais les années 50, puisque c'est à ce moment-là que les robes deviennent un petit peu plus courtes. Ouais, et puis très serrées. Très princesse. Ouais. Donc, bon, on va dire rêve de petite fille, donc oui, les 50. Et toi, Jocelyne? Ah, je ne dirais pas comme elle, je ne suis pas... Je n'étais pas encore née. Personne, Jocelyne. Mais
j'aime bien la tendance d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui. Ouais. Les rois princesses. Ah oui, la chaîne. Et tu vois, Laurine ? Eh bien, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que c'était pas les robes des années 80. Ouais, hein, c'est bon. Mais alors, une excellente année, c'était 2006. Ah, tu t'es mariée en 2006, ça. Ouais. C'est l'année que t'as préférée, c'est l'époque que t'as préférée. Ouais. Et toi, Nico ? Moi, je suis une femme moderne, c'est today. C'est today ? Ah ouais ? Ouais, c'est la dernière collection, c'est ouais. Pour moi. Et c'est joli, là, les demoiselles qui sont en gris. Je trouve que c'est très beau, le gris, dans les demoiselles. Hein ? Oui. Ouais. Ça fait très classe, c'est très raffiné. Et puis, on le fait un peu à l'américaine, maintenant. Vous avez marqué, gris, plein de demoiselles. Super bien. Avec la rose, j'adore la rose. Bah, une belle robe, belle Ladona, et tout le monde la même, c'est joli aussi. Ça, c'est sûr. C'est vrai, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir obligatoirement long, ça peut être aussi une jolie petite robe. Ça peut être courte, ça peut être une petite robe. Normal, hein, normal, ouais, tout à fait. Après, c'est en fonction du mariage, bien sûr. Exactement, exactement. Ah. Et où tu le fais aussi. Et où tu le fais. Tout à fait. Moi, j'aime bien les robes un peu ton lilas, tu sais. Ah, c'est beau ça. Ouais. Des robes pas trop choucroutées pour les demoiselles, un peu droites. Et puis dans des couleurs un peu fanées. Ouais, exactement. Mmh, c'est joli ça. Un petit vieux rose. Ouais. Moi, je trouve que c'est super joli. Ouais. Et puis, ça met encore plus en valeur la mariée, parce que c'est quand même ça aussi, l'essentiel. C'est ça, faut pas que la demoiselle soit plus belle que plus belle que la mariée. Tu les emmènes au Lost Paradise là et tu les jettes dans la flotte. D'où le conseil, c'est de nous on propose des robes du soir aux demoiselles d'honneur. Ça, comme c'est ça, c'est l'avantage aussi de pouvoir reporter leur robe. Reporter la robe, ouais. Pas se retrouver avec une choucroute ou c'est impossible. Un bonbon et puis on ne le remet jamais. Ouais. Voilà, c'est impossible. Ça, on l'achète relativement le même prix que la robe du soir, donc quitte à faire ce genre robe. De dépenses, il vaut fait. Mieux la robe du soir. La robe du soir. Et il y a aussi une grande tendance, là, mais on va le voir tout de suite, très vite. Mais il y a aussi une grande tendance, c'est toute la noce en blanc. Oui. Oui. Ah, et oui. Ça, c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Bah alors, ça. Il faudrait que vraiment la mariée soit sûre d'elle. Hein. Ouais. Ah, mais moi, j'ai vu le mariage de Karine Gatti-Belza. Hein, que tout le monde connaît, ils se sont mariés à Lost Paradise, là, sur l'îlet, je ne me rappelle plus du nom, l'îlet, petit îlet, donc, hein, et tout le monde était en blanc, ah, c'était beau. Ouais, non, c'est très très beau les mariés. Non, c'est très très beau. Les garçons tous en costume blanc avec des chapeaux blancs, les filles des robes, ah, c'était beau. Non, c'est très beau, franchement, c'est très beau, avec une décoration aussi tout en blanc, c'est beau, très très joli. Mais comme je disais, il faut être sûr de soi. Ouais, parce que tout dépend les invités. Bon, choisis que des moches. Tu es bien, tu viens pas, dégage. Ouais, t'es trop jolie, éliminée. Mais vous savez que Marilyn. Ma vie pas souvent. Ouais, trop belle. Marilyn Monroe, quand elle faisait un film et qu'elle dansait, qu'autour d'elle, elle avait plein de filles et tout ça, elle exigeait qu'il n'y ait aucune blonde. Et elle voulait les choisir, et je dis pas qu'elle choisissait des moches, mais s'il y en avait une super belle, c'est bête, elle était éliminée. Ah bah oui, normal. Alors, Charles-Élise nous a reçus et nous présente les tendances 2017 du mariage, un reportage d'Anne-Elisabeth sur un montage de Joe. C'est tout de suite. Alors, c'est super parce que là, je suis avec toi, Charles-Élise, et à la fin de compte, tu proposes le mariage clé en main chez Wedding Palace. Alors explique-moi un petit peu ça. Ben, le concept, c'est d'organiser pour vous votre mariage pour que vous n'ayez plus de tracas et que vous vous souciez de rien. Donc, quand vous venez chez nous à Wedding Palace, eh ben, on organise votre mariage clé en main. Ça, c'est merveilleux. Et alors, est-ce que t'as une mariée qui va arriver ? Oui, on attend une mariée qui doit arriver incessamment sous peu. Voilà. On l'a entendu, la mariée. On parle de moi. Oui, on parle de la mariée. Bonjour, ça va Mélina ? Bien, bonjour. Charlie. Ça va ? Mm-hmm. Bon, eh bien Mélina, tu vas nous expliquer tout ça. Donc Mélina, tu es là et tu es venue. Alors pourquoi tu es venue ? Mais je suis venue à Wedding Palace parce que... Pour chercher quelque chose de... Beaucoup de choses, oui. Puisqu'elle fait tout. Elle fait tout, mais surtout tu voulais aussi... Oui, je voulais mon vêtement coquin pour... La nuit de noces. Ben oui. Et aussi, tu viens voir un peu les robes, les costumes du marié, etc. ensemble. Bon, alors, Charles-Élise, tu vas nous présenter tout ça, puisque tu as tout. Oui.
On fait tout. On fait tout. Bon, bah les filles, on y va. C'est parti. Alors là, génial, Charles-Élise, puisqu'en fin de compte, dans ta boutique, bah, tu fais carrément un défilé. Oui. Tu fais un défilé. Oui. Alors Mélina, tu vas nous dire ce que tu penses de toutes ces robes que tu vas voir. C'est parti ? D'accord, c'est parti. C'est parti, ok. Ah, ça c'est une très très jolie robe. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer, Charles-Élise, un peu qu'est-ce que c'est comme robe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est en quelle matière, etc. Alors ça c'est une robe bustier avec un lassage au dos, effet corset et en organza. Ah, voilà. Ça, c'est très beau. Ça c'est très joli. Et donc après évidemment tous les accessoires après, énormément. Voilà, après il faut mettre les accessoires qu'il faut et ça nous donne une sublime mariée. Vous voyez. Tu aimes Mélina ? Ah, j'aime énormément. Alors ça c'est aussi une tendance parce que là c'est ivoire. Oui, c'est la tendance de maintenant, c'est ivoire, c'est plus le blanc neige comme on l'appelait. Et maintenant, c'est vraiment le petit côté ivoire, le petit côté crème. Et là, ça, c'est très joli parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on a son voile. Et au moment où on dit oui, voilà, le chéri lève le voile et fait le bisou terrible. Voilà. Alors, on va voir une autre mariée. Viens avec nous, la belle mariée. Tu peux sortir, tu peux rester avec nous. Hein. Donc là, on a une autre mariée. Ah, et là, blanc. Et là... elle est en blanc. En blanc. Blanc, voilà, ce qu'on appelle le blanc neige. C'est vraiment tout blanc. Et ce type de robe, c'est du tulle, toujours rehaussé d'un corset brodé. Donc ça, c'est vraiment la grande tendance, le corset. C'est vraiment la grande tendance. Ouais. Et aussi, ce type de robe, ben, vous pouvez le porter pour si vous faites un mariage dans un jardin. Oui, elle est plus relaxe. Voilà, elle est plus relaxe. Donc ça laisse apparaître, les jambes. Et bon, au bord de la plage. Un peu plus sexy. Moins sage. Et Mélina, tu aimes ? J'aime beaucoup puisque je suis assez traditionnelle. J'aime bien le blanc. Donc c'est vrai que ça me parle plus. Toi, tu préfères plus blanc que ivoire ? Oui, voilà. Bon, alors maintenant, on va regarder pour ton futur chéri, enfin ton futur mari. Bah, quel style de vêtements tu peux lui mettre ? Waouh ! Un homme ! Voilà ! Alors ça c'est pareil, c'est une grande tendance, c'est un peu chocolat, Charles-Élise. Et je pense que ça c'est chocolat. Vous pouvez sortir mes mariés hein. Là c'est du chocolat. Ouais. Donc j'aime bien le chocolat. C'est très joli. Parce que c'est pas noir très fort parce que noir. C'est peut-être un peu sérieux parfois pour un mariage. Noir, c'est, je conseille pas déjà aux futurs mariés de se mettre de noir, costume. On peut mettre serveur que marié. Voilà. Donc je préfère changer. Donc là, on est sur du chocolat avec du café. Voilà, c'est très joli. On fait le mocha, pourquoi pas. Et ben voilà, super. Voilà. Et ben merci. Bon, ben Mélina, le choix va être difficile. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'ai déjà ma préférence. Ah, mais on ne dit rien parce que ton mariage est bientôt. Et ça va faire... hein, tu en fais secret. Un secret, parfaitement. Secret. Et ben Mélina, on croise les doigts et on dit tous nos vœux de bonheur. Merci beaucoup Valérie. De rien. Alors là, Charles-Élise, c'est aussi une autre tendance, c'est noir et blanc pour l'homme. Et c'est pas mal. On voit ça tout de suite ? On voit ça tout de suite. Ah, c'est très joli. C'est très chic. Bon, évidemment, là, si on a un costume blanc, il faut une robe blanche. Oui, tout à fait. Parce que la robe ivoire ne sera pas géniale. Non, pas du tout. Donc, il faut vraiment le côté blanc. Donc si la mariée a choisi du blanc, il faut que monsieur respecte et reste sur du blanc pur. Donc là, il a une veste. Et en dessous, il y a le petit gilet. Voilà. Ça, c'est très joli parce qu'évidemment, pendant la réception, il enlève sa veste et il se retrouve en gilet. Le petit côté smoking, c'est pas mal. Le pantalon avec lui, le côté smoking, oui, ça c'est voilà. chouette. Ouais. Très chic. Même. Super. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. C'est le plus beau jour, on dit. Évidemment, c'est le plus beau jour de sa vie. Bon, bah super, bah vive les mariés, hein. Vive la mariée! Parfait. Ben,
Bon, il y a une ambiance sublime chez toi, hein, oui. Hein, t'as vu, et t'as vu une petite mariée là, hein. Ouais. Alors elle se marie en décembre. En décembre. Ouais, bon, on lui souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur. Ah ouais, elle est mignonne comme tout elle. Comment c'est déjà Mélanie? Oui. Ouais, bon, si elle nous regarde, hein. Ouais. Alors justement, quelles sont les tendances? Alors, et tout dépend. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau couleur, c'est le blanc cassé. Ouais, l'ivoire. L'ivoire, ouais. Voilà. Parce que maintenant, et au niveau des hommes, c'est complètement l'inverse. Ouais. Là, les hommes osent mettre du bleu, comment dire, le bleu électrique. Ça, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que si après la robe est ivoire et qu'il y a des accessoires, voilà. Des fleurs, des voilà. tout bleu, c'est joli, voilà. Ça. Mais moi, je trouve que sur la peau, c'est plus beau l'ivoire. Ouais. Parce que le blanc, ça fait publicité Bonux, quoi, parfois. C'est vrai que le soleil est tout ici. Ouais. Ah ouais, oui. Non, mais il faut prendre... C'est vrai qu'à la limite, le conseil, c'est que si la mariée est en blanc... Il ne faut pas que le marié soit en beige. Ah, tout à fait, parce que ça fait très moche les deux ça couleurs. Ça fait très moche les deux couleurs. Un qui fait ça, exactement. Ouais, ouais, donc, ouais. Il faut vraiment faire attention à ça, que la mariée soit en oui, en de toute façon, c'est la mariée qui décide. Voilà. Et après, oui. On voit comment on fait pour lui. On voit ce qui reste, on voit ce qui reste pour lui. Pour lui. Ouais, ouais. Mais donc, et donc, il y a beaucoup. Bon, Aniko, tu as été notre mannequin et tu as été, oui. Elle était sublime. Hein. Merci. Ah, elle était sublime. Elle était sublime. Elle était sublime. Et notre autre mannequin aussi était superbe. Oh oui. Hein, toutes les deux, vous étiez belles comme des cœurs. Oui. Prête à marier. Bah oui, c'est la robe, c'est la coiffeur, ouais, c'est le maquillage. C'est vrai, ah, oui. C'est vrai. Hein. Ouais. Et j'aimais bien les robes aussi, tout. Courtes devant, longues derrière. Ah, oui, c'est tendance. Moi, j'adore. Ça, c'est très tendance. C'est aussi tendance. Oui. Mais c'est souvent aussi. Pour les mariés qui veulent s'unir au niveau d'un jardin, dehors, à l'extérieur. À l'extérieur. C'est plus pratique. C'est, oui, plus pratique, oui, oui, c'est beaucoup plus pratique. Oui, non, que mais c'est plus sexy. C'est... Mais il faut avoir de très jolies jambes aussi. Oui. Oui. Parce que c'est vrai et que... Et de très jolies chaussures. Oui. Les très chaussures. Très juste. C'est oui, que les chaussures. Très là, jolies chaussures. C'est opération zéro défaut. Mais bon, en général, quand on... Et il faut avoir les jambes épilées. Et aller ah chez bah, Studio oui, Strat. Ça, non, parlons pas. C'est le grand jour. Avec le que le mari se retrouve avec les jambes. Avec le mec. La femme de gros magnon. Madame Schreck. Et donc oui, donc tu dis il y a bon la tendance ivoire, bon évidemment il y a du blanc aussi, mais c'est vraiment la tendance ivoire et courte devant, longue derrière, et il y a toujours ce qu'on appelle la robe de princesse. Ah, oui. C'est quand même quelque chose que les filles aiment, non? Oui, c'est le rêve des petites oui. C'est le rêve qui se réalise. Ouais. Donc souvent quand les jeunes filles sortent de chez maman, c'est la robe princesse. Voilà, ça dépend un peu de l'âge de la fille. Ouais. Plus c'est jeune, plus ça veut un truc voilà. de princesse, et plus c'est enfin, âgé. Pour nous, après, ça veut quelque chose peut-être un peu plus branché, une forme plus moderne. Oui, c'est souvent, ça se joue souvent quand c'est le premier mariage ou le deuxième mariage. Ah, ça, c'est intéressant. En fin de compte, t'es très contente quand ils divorcent, quoi. Ça te refait un mariage. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, au deuxième mariage, c'est vrai que les femmes souhaitent plus la robe qu'elles puissent porter par la suite. Mmh. Près du corps aussi. Voilà, près du corps. Oui. Plus sexy. Sirène, ouais. Pas trop d'extravagante, voilà. Ouais, ouais. Alors que le premier mariage, c'est vraiment le premier, truc. Le premier, c'est vraiment. Alors là, c'est the robe. On cherche vraiment la chose qui sort de l'ordinaire. Bon, et aussi, c'est vrai que si on se marie à l'église, il faut penser toujours que la robe, c'est important, le dos. C'est ça. Oui. Parce qu'on voit la mariée souvent de dos. Oui, mais il n'y a pas que le dos. Oui, évidemment, heureusement. Parce que c'est vrai que je pose souvent la question aux mariés, aux futurs mariés. À savoir si elles vont à l'église ou si c'est juste la mairie, parce que c'est vrai que il faut pas être trop sexy quand même à... les critères sont pas les mêmes, on peut aussi avoir oui, des tolles, avoir des choses se couvrir un peu, oui, voilà. Ajouter une étole, ça paraît un peu normal quand on se marie à l'église.
de ne pas être quand même super sexe. Pour être sûr, Valérie, moi, pour le dos, parce que c'est vrai que souvent, la mariée, les invités sont derrière. Tout à fait. Et elle donne dos aux invités. Donc il faut vraiment. Il faut soigner le dos, que ça soit super. Moi, je trouve que le dos est très important. Oui, c'est vrai. Moi, je te rejoins complètement. Merci, Laurine. Ça passe. Alors, écoutez, d'ailleurs, les filles, il est 25 et Ricardo va me dire que c'est l'heure merveilleuse de la pub où rien ne coûte cher. Et tout est beau. Et tout est beau.